Bonjour fidèles internautes de la 3.W Boussoul, en tout cas vous qui nous aimez, vous qui nous faisiez confiance en tout cas. Le devoir de vous informer, vous divertir, pourquoi pas, toujours à la 3.W Boussoul et en tout cas, votre site du moment. Encore une fois de plus, bonjour tout le monde, Nayambi, maman Mariette, tu es bon, la cabéa, y a une invité, la bisselle, pourquoi tu es bien, bon, et bah, le bibo, il y en a battu, il y en a battu, à Zamoko, à celle-ci. Fondation et à quoi donc objectif et à fondation et ça pour la quoi des barfels là pour soutenir en tout cas batman bon et bien bas vous oui mais bas son à côté moi l'eau comme qui a zan en ligne à partager la barfel là et on toye bas objectif l'autre tout n'est pourquoi idée ni n'aille aussi la partie politique qui est pas dans la politique à ça aille pour postuler ou comment alors tout ça voyez bas toujours n'a bossol en bouc à tobit au canon musica biso pina biso bas partenaire ya fondation à bossol en bouc à tobit aux anna maman Marie. Chibolakabea, Babu, eh, Balouba Kaka, pourquoi soutenir Balouba? Azo Edeka Balouba, non, elle est congolaise, Azo soutenir Batunio, sont en tout cas équipés dans notre tribité, quoi. Alors, je serai avec elle, Toya Tobé, Tama, ma solo, Nazo Poussana Pona Yamba, ma Mariette, Chibolakabea, Balubi, Yende, vraiment, Babu, bon, moi, Rabino Moko, Boussola Mboka, Fondation, Raes, un pour tous, et tous pour un, Yangwana, Oué, Bado, tout n'a rien, c'est là qui signe, Yangwana, déjà, c'est une question, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va super. Comment ça se passe, Akin? Akin, ça se passe très bien. C'est Kinshasa quand même. C'est Kin la belle. Kin ya bala Akin. L'autre c'est Pelmin Koyambayo pour une idée macasse. L'Ikansi a bien aujourd'hui. En tout cas, ça félicite. Bah tu es belle, bah on a beaux humains. L'Ikansi a fondé la fondation pour aider bah tout et ça la caté. Est-ce que oui pour la reflater et ça la compte au fond de sa partie politique nayo. Non, pas du tout. Moi, je suis dans aucune partie politique. Je viens vraiment indépendant. Je m'occupe pas de tout ce qui est politique ou quoi que ce soit. Je prépare rien, rien derrière moi. N'a répété la linga là, n'a la partie politique à ta moroté, n'a zo soutenir moutou mon côté, n'a zo ya nga moko, n'a ba petit moyen n'a ngaï. Donc, non, je n'ai rien à voir avec la politique, rien du tout. C'est ça. Ma Mariette, il connaissait la qu'on des nouveaux des cambo bobi qui on a créé fondation encore et la qu'on des na vande cambo était tu sais dans la vie déjà c'est un projet que j'avais depuis longtemps donc les enfants abandonnés, les orphelins, c'était un projet que j'avais, c'était dans ma tête depuis très longtemps. Maintenant après on a tous, je pense même les gens qui me regardent, on a des moments dans la vie où on peut pas. On n'arrive pas. Tozan bosato sungame, quand on regarde nos vies à nous, on arrive peut-être pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, on n'arrive pas. Donc, to kanisa, na makanisi, na ko sambela, na to tianzambe, na katke nzambe, bate la mouto, nzambe, bate la mbokao, nzambe, mais to kokate na ba moyen na biso. Mais nzamba sou inga le loa sa inga grâce que non, Mariette, zo mouke oyo, sa le loko. Pe zape reconnaissance, parce que na traversé pe ba moment moko difficile. Nzamba tinga na l'épreuve, na ba kombwe belé, et na mouna y moyen ou remercier été. Na obité pour na remercier ye na kura osala moi et lokoyo et eza ebelete eza merci mingité mais na moi quelque chose on a sali et à travers ça il a facilité tout ce que j'ai fait a tenyo son a facilité pour na kokosa nyo so jusqu'au bout. D'accord. Maman Mariette Azamulu, bana ebite fondation o ezaka ya baluba ou mtu nyo so kokoya nae mu Congo mungala so za besoin suite à soutenir maman Mariette. Alors, il y a un tribalisme, mais il y a Balouba. Non, Moulouba, oui, est fière de l'être, mais je suis tout d'abord congolaise. Donc, c'est-à-dire que je suis congolaise, tu es congolaise, tout le monde est congolais au Congo, pour moi. Donc, ce n'est pas pour telle ou telle ethnie, c'est pour les Congolais, c'est pour tout le monde. Donc, Mouté Mananga, Eza Ofongama, Pona Batribu Nyoso, Pona Batu Nyoso. Je suis tout d'abord congolaise, d'abord, et voilà. D'accord, merci. Bien, tu bâti. C'est ok, des beaux enfants. Tout le monde a une image. Tout le monde a dans le sol en bouc à vous. Vraiment, une image. Comment est-ce que tu peux visiter? Bah, maman, au bas, quand maman est à l'hôpital, bah, bim, raté. Maman, Maria, t'as bien en tout cas, Kosunga. Bah, non, bah, olé, bah, zanga, t'as moins lipa. C'est affreux et c'est rageant parce que c'est pas possible que une femme accouche et que elle soit enfermée dans un hôpital. Bon, c'est pas pour choquer, mais comme dans une prison avec un nourrisson, avec un petit bébé, parce que il manque, je sais pas, 50 000 francs ou 100 000 francs
qui fait combien en dollars? Même pas 50 dollars, 60 dollars. Voilà. C'est choquant. Aujourd'hui, je le dis, je ne peux pas sortir tout le monde. Parce que comme j'ai dit, je viens avec mes propres moyens et j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Mais si on peut sortir une ou deux femmes, je serai contente. Et ça va me motiver encore plus à pouvoir revenir et à sortir davantage. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, qui me choque et qui me dérange. Un bébé, il vient d'être. Il est mis au monde, il n'a pas resté là pendant 2 semaines, 1 mois dans un hôpital, quoi. C'est, pour moi, c'est quelque chose de c'est vraiment choquant. Je milite vraiment pour ça. Na mama bana. Na mama bana. Et tout ce qui est en rapport avec les enfants, les mères, ça me touche énormément. C'est quelque chose qui ne me laisse pas indifférente. Donc c'est pour ça que je me lève pour ça. Et voilà. Et j'invite tout le monde vraiment, hein, ceux qui peuvent aider, mais ne serait-ce que dans la prière. Vous savez, il y a des gens. L'air aux osambela, osambeli pour nanda kunayo, osambeli pour namakamnayo, mosu-moi 1 minute. Osambela, osinganzambe, asunga bato, oyo yebite, asunga pays, oyo yebite. C'est très important. Nous, on est là, moi je suis là, je sais que Eza force Nzambe Mutoeti na makamnyo, so natin Nzambe na liboso, partenaire na officiel, Eza Nzambe. Donc na ebi ke na makasi moko muta o décourager nga zate, pour na Linda. Merci beaucoup, c'est. Pardon? J'espère que mon téléphone est chargé. Il est bien chargé. Ah. Au banc, il est comme on a ça. Hein? Au banc, c'est tout. Juste toujours ici. Regarde, je parle avec toi. Ça c'est trop. Regarde. Et dis. Ouais, j'arrive pas quand il y a trop de gars là. Merci de nous guider, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci, Seigneur, pour tout. Merci. Amen. Thank you.
De sorte que tout ce qui sera dit et tout ce qui sera fait est en gloire. Merci éternel, nous le recevons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, c'est moi qui vous écoute, c'est Freddy qui parle. Il a dit c'est lui qui nous écoute. Et Mariette, je voulais que vous expliquiez à Mariette ce qu'on a parlé l'autre fois avec vous, et par rapport au projet aussi de l'Indie, là, tout ça. Ah, ok. Oui, maman, c'est tout. Alors, moi, on m'appelle Papa Serge. Papa Serge. Il y a Mariette, il y a Freddy et les autres, je ne connais pas leur nom. Il y a moi, c'est Angèle. Angèle, enchantée, ma soeur. Moi, c'est Maman Lichiaï. Maman Lichiaï. C'est ma mère. Maman de Mariette. Ah, c'est Maman. Oui. Oh là là. Enchantée, ça, c'est bien ça. Moi, c'est Maman Liliane. Maman Liliane, enchantée, Maman Liliane. Moi, c'est Elodie, la secrétaire de la famille. Elodie, la secrétaire. Enchantée. Ah, que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, en fait, on peut parler dans la langue qu'on veut. Hein? Bien sûr. La lingala. La lingala. Oui, mais attends. Même si on mélange les français. Voilà, moi, ouais. je parle lingala. Là. Moi, je parle la lingala médiocre. Donc, ça va être français lingala. Ok. Moi, je ne suis que le moindre des serviteurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous savons les uns et les autres. Nous avons dit ça, ça y a des tigres. Alors, on a bandit pour ça, le Nangamote, c'est sur ordre de l'éternel. J'étais un artiste comédien, je serai bref. Nous avons dit, oui, des orphelins, à travers le spectacle Sokina, ça des spectacles de théâtre, dans les écoles. On a eu une école étrangère, belge, tout ça, ainsi de suite, française, avec l'école congolaise. Sokina joué, on a récolté. Non seulement l'argent, mais vu l'européen en nature, ils ont la polia, ils ont l'objet classique avant, tout ça. Maintenant, avant, nous avons qui prennent des coopérations, nous avons une ONG, vous allez croire en situation difficile. Nous avons une ONG. C'est en allant jouer, j'avais une petite troupe de théâtre de 10 enfants quand même. C'est en allant jouer dans l'église, alors nous serions chez le pasteur Georges Kazali, mais on a toujours qui message. Par une maman qui ne prie même pas là-bas, elle aussi, elle était venue voir le pasteur ce jour-là. Ça fait 16 ans, on ne l'a plus jamais rencontré. Tout ce qu'elle a dit n'a pas été un message. C'est un message où Dieu m'a dit, je te donne un grand cœur pour aimer les enfants orphelins. Fonde une ONG, au sein de l'ONG, il y aura un orphelinat. Cet orphelinat, vous le commencerez dans un bâtiment à trois niveaux. Elle parle avec précision. Là où sera votre foyer, vous avez un petit foyer, votre épouse et vos enfants, que les orphelins soient là. Là où ils seront, soyez là aussi. Ne te demande pas, les enfants orphelins que je t'enverrai, comment ils vivront. Je suis l'Éternel, c'est mon œuvre, je m'en occuperai. Je t'enverrai des gens que tu ne connais pas pour soutenir mon œuvre. Moi j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Et puis, maman, moi je suis faible devant la volonté du Seigneur. Ceux qui me sachent, je vous signale.
Je sais qu'il y a des faux prophètes, des faux toits, des fausses prophétesses, mais oui, il y a un bébé, les amis. Je trouve qu'il y a ça, je fais, c'est outil, pas dans un bébé. Et pour qu'il s'amende, donc ça va se concrétiser. C'est ainsi que je commençais, il fallait y aller par la foi et non par la vie. Il y allait par la mon épouse, on a commencé, on a fait des démarches et tout ça. Mais le problème, c'était de scolariser les enfants. Parce que moi, là-bas, au Indie, mon sousou, là où vraiment donc j'ai aidé, parce que la façon dont elle travaillait, moi, je n'appréciais pas ça. Elle m'a dit, je suis là-bas pendant 3 ans. Alors, sur le côté ici, moi, la première année primaire, au combien la troisième année, tu l'abandonnes, même sur le plan de la scolarité, même il y a Colia. C'est-à-dire, comme il est dit, investissement, il n'y a pas bas. Parce que l'enfant arrête dans les études en troisième primaire. Pourquoi ne pas l'aider à Komatana, sixième, qu'il apprenne à écrire, à calculer, à lire et à parler français, ainsi de suite. On peut les diriger dans une école de métier. À 18 ans, tout ça, il est moi-même, moi matériel, la salle qui a mon atelier, et puis, comment mon élève un jour, et il entre dans la vie active et il se prend d'un foyer. Là, on aura sauvé toute une vie. Oui. Alors, Bana, comme j'ai donné aussi des spectacles pour la conception des habitiques, c'est grand, on passe par le Zekara. Alors, comment il est dit camarade d'Amango? Surtout que, rayé, comme on a mangé dans la liste, on va bénéficier. C'est auprès de moi qui venait poser maintenant ma souffrance d'Amango. Papa, je suis comme il y a plus ici, par le monde, il y a ainsi de suite. Bon, je n'avais pas encore dans ma tête l'idée que la cour vous allez à orphelinat ou bien vous ONG. Non, moi ça c'était pas dans mes projets. C'est lorsque mes stages jouent à Neyaki, c'est ça qui m'a motivé. C'est ainsi qu'on a Bandaki. Parce que Bana, alors que si tu n'as pas mangé, tu ne seras même pas allé à l'école. Mais par contre, priorité c'est qu'il y a plus de photos. Tu as vie dans le bus. Bon. La bandaki, la qui pour louer pour bâtiment, la Gombe, à l'école Plessidra, en diagonale de l'école belge, on a scolarisé 110 enfants. En fait. Je payais 500 dollars à la fin de chaque trimestre. Parce que les après-midi, le bâtiment était libre. Les enfants ont étudié, mais l'année qui suivait, on nous a pas on a pu donner les bâtiments. Bon. Parce que le réseau va voir dans les écoles, du coup, on a bandaki, jusqu'à ce qu'en 2007, on a dit ça. Pour les Zimbabwe qui est orphelinat. On a trouvé que non, pour bien encadrer les orphelins, il faut les avoir au même endroit. Il y a un monde côté qui m'a vendu au mois d'avril. Et puis après, tout le monde, il y a une famille qui est venue, qui nous a dit, maintenant ça fait 5 ans, Dieu ne fait que nous bénir. Nous voulons remercier l'Éternel. On nous a parlé de vous par un pasteur. Vous encadrez les orphelins, vous n'avez pas de moyens, tout ça. Vous voulez faire quoi? J'ai dit, je vais installer un orphelinat. Alors, c'est ainsi que j'avais parlé avec mon frère l'autre fois. Ça, c'est un docteur que nous sommes en train de. Nous avons notre concession, elle est grande, elle est grande. Nous sommes en train de construire. Ah, oh, c'est super. C'est où? Andjibé-Basseré. D'accord. Dans la commune de Lancelé. Là, c'est un docteur qui peut contenir plus de 100 enfants. Après, nous allons construire maintenant le bâtiment devant de telles écoles. Parce que le problème de la scolarité des enfants, c'est le casse-tête. Et puis après, un répertoire, une polyclinique, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on aura fini et on va partir d'ici. D'accord. Parce que là, on va sauver un peu plus d'enfants. Bah oui. Ah, ici, on est limité. Voilà un peu. C'est peut-être à partir des questions que vous me poserez, je pourrais vous éclairer encore davantage sur comment nous accomplissons sur cette œuvre de Dieu. D'accord. Et nous vivons sur base des dons. Voilà, c'est comme ça que, comme Dieu vous a envoyé, c'est comme ça qu'il nous envoie ceux-là. Ils sont ses enfants, ses serviteurs, ses servantes pour que ses enfants prennent vie. Mais s'il vous plaît, comment vous faites pour payer les scolarisations? Voilà, c'est comme par exemple, au moins le cas quand maman est au lobby, au moins le cas quand le lobby, bon, est-ce que je peux supporter un ou deux enfants cette année scolaire? Vous offrez un bien et moi j'ai dit, bon, nous payons chez les bambins, à Tokyo, on a 370 dollars, mais la promotrice, cherchant son, dans sa bénédiction, à 4 en 2, il prend là-bas orphelin, et à le pied d'orphelin, il prend au à 185 par an. Ce qui fait 61 dollars par mois
Donc 185 dollars pour toute l'année pour les orphelins. Pour un enfant. Pour un enfant. Pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont malades, c'est ce que nous faisons. Ceux qui m'ont à Sadikaka, non. Donc on a CBCO directement. Oui. Nous payons. Là, il n'y a pas de réduction. Oui. Là, nous payons, nous voyons le médecin, il paye une note pour les labos, si c'est nécessaire. Puis on fait une ordonnance, nous achetons les médicaments. Mais Dieu nous fait une grâce exceptionnelle, dans la mesure où c'est rare qu'un enfant tombe. Voilà, Dieu merci. Rare. Tozara qui a affilié d'abord dans une polyclinique. Tozara qui a affilié. Mais pour vous, ça m'a atteint 2 ans, mon docteur, à mon avis, je lui ai dit, aussi, pour qui manga, pour qui n'est pas mon souci, il tombe. Nous sommes là, les enfants ne tombent pas malades. Voilà. Dieu, bon. En fait, il y a aussi certaines choses, hein, des précautions qu'il faut prendre pour les enfants. Par exemple, la malaria, c'est bon, c'est les moustiques qui transmettent ça. Mais nous avons des moustiquaires à tous les lits des enfants. C'est une mesure de prudence pour les protéger. Et puis, hygiène, nini, bon. De toute façon, un enfant peut devenir malade comme moi, mais ce sont des petites histoires. Bon, on n'aime pas trop l'automédication, mais les enfants tombent malades. C'est bien. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Voilà. C'est à vous, si vous voulez, causer avec les enfants. Après tout, c'est pour les enfants que vous faites. Voilà, exactement. Moi, je pas. Voilà, nous, on est venus. Justement pour vous soutenir dans ce travail. Déjà, je vous félicite. Merci. Je trouve ça très bien. Nous, pareil, on est donateurs. Moi, je suis Mariette. Donc, c'était une initiative indépendante que j'ai prise de moi-même. Moi, j'habite en France. Hein? Où c'est En banlieue parisienne. À côté de l'aéroport d'Orly. Orly Aéroport. Ok, je vois. Voilà. Moi j'habite à la Défense. À la Défense, c'est dans 92, moi aussi je suis dans 92, mais la Défense c'est de l'autre côté. C'est l'autre côté. Donc voilà, c'est une initiative personnelle pour le moment, qui j'espère va ramener beaucoup de gens derrière moi. Moi pareil, j'ai été guidée par le Saint-Esprit. Amen. C'est une reconnaissance envers Dieu, c'est une gloire, c'est la gloire de Dieu pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je souhaite que ça aille plus loin, que ça ne s'arrête pas qu'aujourd'hui. Donc je suis venue avec le peu de moyens que j'avais sur moi pour pouvoir vous aider justement à continuer ce combat qui est magnifique. Et donc on est venu aujourd'hui, mais on reviendra. Et voilà, on aimerait savoir, j'aimerais voir un peu comment les enfants vivent, comment les enfants... Vous avez été très clair hein, dans les détails. Et on va continuer à regarder un petit peu, comme ça je pars avec une très très bonne idée de ce qu'il vous faut, de ce qui vous manque, de ce qui aurait besoin, dans quoi on peut se concentrer pour pouvoir vous aider. Voilà, donc je suis en train de... Je commence ma fondation qui s'appelle RAES. RAES. Donc c'est la fondation RAES. RAES qui veut dire les 4 noms de mes enfants. Donc, ok, voilà, allons-y. Rodley, oui. Alan, Elia et Sacha. Ça vous le dit, c'est génial. ça c'est bien trouvé. Voilà, Fondation RAES, un pour tous et tous pour un. Donc j'ai eu l'inspiration, je suis mère d'enfant, je peux comprendre et être touchée par les difficultés que les enfants peuvent rencontrer, à être sans père, sans famille, ou abandonnée. Donc c'est un combat qui me tient énormément à cœur et j'ai envie de me battre et ne pas m'arrêter qu'à là. Voilà, ouais. Exactement. Allez, moi je suis dans la joie parce que je sais que vous êtes une servante de Dieu. Quand vous allez rentrer dans vos prières personnelles, bien sûr. Priez aussi pour mes yeux parce que je ne vous vois pas là où vous êtes. Amen, on priera. Et je suis pas non-voyant mais malvoyant. D'accord. Mais je sais que Dieu va me guérir. Voilà. J'ai la foi. C'est vrai, même si vous priez pour moi, il faut que moi j'ai la foi d'abord. Voilà. Parce que quand vous allez prier pour moi, Dieu va me guérir. Amen. Voilà. Il sait pourquoi il m'a confié cette mission, alors que mes yeux sont comme ça. Il est Dieu. Voilà. Je ne me plains plus. Sauf que c'est moi seulement compris pour moi. Parce que Dieu dit prière, prier les uns pour les autres. Voilà. C'est sa parole qu'il est dit. Voilà. Alors, on va de l'autre côté? Oui, on y va. Non, vous allez d'abord poser avec les enfants et puis. Ouais, bien sûr. Puis vous me direz quoi. D'accord. Alors, on y va. Akadami, Nagai. Vous savez comment?
C'est merveille. Jus, donc voilà, j'espère que ma provision. Hein? Nanini.
Ouais, na mille, voilà, 1000 kilos, so, fou, sac à sucre pesa. Ouais, en fait, na, à chaque fois, na, no somba, à chaque fois, j'ai l'impression que Eza Moukina Baksa. Et mon article à l'époque, comme il vide. Non, mais t'es, na, Lucas, sous, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, merci. Merci, merci à vous de faire ce travail. Merci à vous de faire ce combat. C'est pas facile. Mais, bah, tout le quoi, Angaï, le quoi, la épée est belée. Bah, on continue qu'on y a, bah, on continue qu'on paie ça. Na grâce à Nzambe. T'as aussi gâté, t'as continué combat au Tina Souka. Mais on a souhaité Zaline, yo, Nzamba Baxelo, il y a mini. Merci. Pour que, parce que yo, yo, déjà, en qui Dieu a, pro, a mis des bonnes dispositions, en qui Dieu a déjà produit le vouloir et le faire, qui te donne beaucoup plus d'argent. Voilà. Au lieu de te compter sur les autres, qu'on compte sur toi. Voilà. Qui a déjà des dispositions de Dieu en toi. Voilà. Merci. Et ça, c'est très important. Merci. Ouais, ouais, c'est très important parce que sortir l'argent pour acheter toutes ces choses, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas que tant que son mieux, tu n'en avais pas besoin. Non, tu en avais besoin, ouais. Mais pour Dieu, tu l'as fait. Exactement. Pour Dieu, tu l'as fait. Pour sauver ses enfants. Exactement. Et ça, c'est très important. Parce que il n'y a pas une rue où tu peux me guider pour dire c'est là que j'ai ramassé. Mm-hmm. On ne ramasse pas ça. Voilà. Quelqu'un a travaillé, il a déboursé son argent. Exactement. Pour la gloire de Dieu. Exactement. Vous avez travaillé, vous avez déboursé de votre argent pour apporter aux enfants orphelins. Mm-hmm. Et là, il n'y a que l'Éternel qui saura vous et qui vous récompense déjà. Le mieux, amen. Il n'y a que l'Éternel. Amen. Que votre fondation aille de l'avant parce que vos enfants, Raïs Fondation. Vos enfants, donc je vais dire, votre postérité est bénie. Oui, amen. Bénie, parce que c'est une postérité qui a pour fondation le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a pour fondation l'Éternel lui-même. Donc c'est-à-dire la base, c'est l'Éternel. Exactement. Et quand on a pour base l'Éternel, c'est le rocher. Exactement. Et la maison qui est construite sur le rocher ne peut pas tomber. Et voilà. Ah, bah, ça, non, on a pour ça,
Dana sinaba na nguvu na pata. Eh? Na pata na nguvu. Mitume wa Mungu. Munapenda kuniona mie huyu mama. Mie huyu. Talala leo usingizi bizudi. Kuona batu ba Mungu hivi. Merci. Merci pastele. Kweli uko mtu wa Mungu baba. Unanikumbuka. Niko maskini na teso. Nakutana na batoto. Mimi kutakwenda ku na beba bido na zui bido. Na lubi na kende kuzwa mai, posa ya mai, na mai, na sukula ya tai lungite. Nena dingaki na kende. Tangu na moni bana, o pastele ya bengi yo na lubi. Toka ndi na buwaki bido. Bi toka ndi. Leo ntalala bushingizi. Na kulala pongi lelo. Batu ya nzambi, batu misi ya nzambi. Na sasa utasema kwa nini kwa mama Maria tu kwa leo kwa ngari? Mama Maria. Mama Maria. Eo pala na kwa ngari ya kutasema nini. Jua kumuankuraje. Salamu Malkia, mama mwenye huruma, mama kitulizo kwa wa maskini, mama makimbilio ya wakosefu, mtuliza wa wenye uchungu, mama wa mapendo, mama wa sifa, mama wa Eklesia Katolika. Merci kwa jinsi unayonisukumia watu watumishi wa Mungu. Uso wao, mwendo wao, mawazo yao na akili yao uzima wangu mimi. Siyakufa siku hii. Merci mama. Merci na zawadi unanitumia. Mama wa Mungu, mama wa Eklesia, mama wa mapendo, mama wa sifa, mtulizo wa wenye uchungu, makimbilio ya sio wakosefu. Njowe mama Mungu ulitumwa na Mungu baba. Basi Lingala mi shinta ya rikali. Sokende, kikwembe yo kambo, mama Maria atakubachia. Eh, kikwembe yo ni mama atakubachia. Salve Marte, misericordie. Marte Dei es Mate Veni, Mate Spei e Mate Gracie, Marte Plena Sante Renictie. O Maria, Salve Dego Mani Generi, Salve Virgo Regno Rechecteri, Aproxere Omea, E Plario Generazione, On Maria. Merci, maman. Merci. Donc, continue à soutenir Bino, maman. Merci pour la moussala au Bino Bozo Sala, parce que la moussala mon makasi. Nous allons continuer à guider Bino na Nyoso Bozo Sala. Vous êtes toujours dans ma casse. L'année prochaine, vous fêtez 102 ans, ya maman. Hein? Merci, maman. Maman, merci. Nandege Boye. Abiki. Maman. Abiki. Merci. Je suis là.
Dissatisfaction totale. Dissatisfaction parce que, comme ces enfants vivent sur base des dons, lorsque Dieu produit le vouloir et le faire dans le cœur de sa servante et qui apporte aux enfants ce dont ils ont besoin. Et moi, à qui Dieu a confié cette mission d'encadrer ses enfants, je ne peux, qu'avoir des sentiments de satisfaction totale et que l'éternel Dieu bénisse beaucoup. Mariette Tibola plus et ses enfants. Et que sa fondation a aidé là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Je vais chercher.
Fais ta maman Nini pour ta casse. Tu as ma chasse, ça va te chasser. Le chasse, ça va te chasser. Pardon. Oh là là. Mariette, oui. Tu m'as dit quelque chose. Je suis venue vous voir pour vous. Moi, je viens de France, mais bon, je suis congolaise. Et ma kanisi binomi, ma binona avec les orphelins, tout le monde. Moi, ma que je peux faire pour pouvoir aider tous les mamans qui sont ici. Donc voilà pourquoi on est là. C'est la fondation RAES. RAES. Comment bana anioso, on appelle na bana. Na bana ba espérer na mingi. On a pas si robot à l'aïbien, on pas si à maman à l'aïbien. On n'est pas du tout politique. Moi je viens de Paris. Donc il n'y a aucune parti politique, il n'y a aucune. Je soutiens personne. Naza indépendante. Naza Kananza Mepemenanga, c'est tout. Voilà. Merci à vous de. Les travailleurs, de vous occuper de toutes les mamans, de tous les enfants qui sont ici. Merci, merci de votre courage. Je sais que c'est pas facile pour vous. Je sais que bino pe boa na ba famille na bino boa pe na ba kanisi na bino boa pe na ba problème na bino mais chaque matin boyaka pour bosunga ba maman, bosunga ba na bazawa. Merci nous amba pe sa bino pe ya ebele pour continuer bosunga ba mon. Quand des biso to na attention to continuer bosunga ba mon. Merci mi. Merci na yo ape sa yo pe bele. Merci et pour bonne continuité. Merci. Et courage. Comme on a aussi perdu de Baninga Bavandia et les Kanango.
Maman. Non, elle est tombée 4 fois. Courage, maman. Tu sais qu'il y a eu hein. D'accord, le type est béni. Donc, tu l'as cassé. Tu vas bien, ça me fait mal. Comment on a marié? Au moins, de toute façon, la carte. Ah bon? C'est vrai? Ah, courage. Nous sommes les cabines à commande Zambé. Au bout de moi qui toque, au santé qui toque. Un Zamba Soumba, qui est qui a dit bon sou. Pour moi qui n'a pas été. C'est maman casse. Bon, allons-y. Au revoir, mon courage. Là, c'est un état de besoin qu'on va ramener. Ouais. C'est le produit qu'on peut acheter pour les bébés. D'accord. Eux, ils montrent ce qu'ils utilisent souvent. Ce qu'ils utilisent. Bon, ici, je ne détermine pas. Hein. Prenons par exemple pour la salle d'accouchement, nous avons besoin des pinces, des cocaires, les pinces que nous utilisons. Mais je ne détermine pas. Cela dépendra de vos possibilités. Oui, la quantité, d'accord. Mais ça, je prends pas ça ici. Voilà, parfait. Bon, nous on vous laisse. Merci. Mais attends, prends le numéro bien le numéro de l'auteur derrière. Maintenant, donne-moi ton numéro. Tu as perdu, il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai l'ai. Tiens, je te laisse ma carte. Il y a mon numéro de Paris, le WhatsApp, là. Oui, oui. Et le numéro de Kinsola. Voilà. Voilà. Donc, ton numéro, je peux mettre derrière, voilà. Voilà, et pourquoi pas les sages femmes? Bien sûr, mais moi je fais partie de vous. La prochaine fois, je viendrai dans Kel Sabino vraiment. Donc, dans Ria, vous été, d'accord? Avant de rentrer, je vais tout faire pour Naya. Là, c'est ça va sage femme pour ça, pour ça. On a moins bureau-pain. Voilà. Et Dieu vous bénisse. La faute de tes fois, hein? D'accord? Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup. Amen. Consultation Mais je sais tout ça.
je sais tout ça. C'est pour ça que je dis, vous levez le matin, vous venez au plus loin possible. Et puis, dans le temps, on a l'esprit dans la montée, dans le temps, on a Saint-Esprit de Dieu. Oui, oui. Dans le temps, on a se dirigé, dans le temps, on a encore un matin. Donc, quand c'est le papa, il y a pas de dire, ah ouais. Voilà. Dès les mains, il s'est prêté, parce que je lis et puis. Ok. Dans Zong, à tout Zong en tout cas. Merci. Merci pour la soutien à Dino, vraiment. Merci. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens au Bamitiki, Bautika Poyna, Bautika Nyosoba, Namopora, Basunga. Matosunga, Kanko. Et à Kakosunga. Donc, Sunga. Namokio, son bisounio, son télé, pour la Kosunga. Vous imaginez, mes manies, oui. Donc, Naïba, difficulté. Merci, Minga. 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 Merci, Merci, Minga. Merci, Non, on ne fait pas la police. Si maman, vraiment, on a vu sur le on a accentué, c'est que toi, police, il y a c'est merci, bonne année. Ok, merci, merci. Maman, tout le monde est venu au côté de la Fondation Raes pour Tambolaki. On a battu tous mes balais pour distribuer moi quelque chose. Ambition de venir au Zuma et Zali. Ambition de venir au Zali qui est à la caca. La situation, on a Makamouni, les autres cas, on a un pays dans les Africains. Donc, mawakaka komona bana ba ofelina wana bana ebele bazali banda po ezate ke bazali papa na mama peut-être ba bengani po mama bali mibali mususu papa kufa ou bien mama akufa papa tre na mwasi mususu esa la place komona bana mikende wana ya otro bayi ke mwa eloko mwa moke kozala to ko sunga bango après ça toye kotala pe ba mama na ba maternité puisque la maternité za mbasi mususu bazo kana mama ba nyongo puisque bazala possibilité donc ba koko boya ko pota te po bazala possibilité. Mais moi, mon cœur, c'est moi, couche, moi, milk, moi, nini. Donc, on peut payer pour donc, moi, mon cœur, c'est un peu ça, quand même. Moi, geste, moi, mon cœur. Il y a moi, il y a tout le temps, je suis fait. Je suis maternité, je suis ma maman. Journée d'équipe bien, je suis en train de me faire pour l'association, la fondation, et pour les bosseaux. Nganaza, maman Nishia, la maman de Mariette. Donc, merci, Mina, Batignos. Les ambitions, le but, c'est aider les personnes. Ambition, là, Isaac, pour aider, bah, au bazar, la difficulté. Au bazar, on a besoin, il y a aide, moi, ok. Les lots, on a Zanga Moko, mais Naza, il y a là, bah, bénévole, pour les bélés. Bah, il faut se voir, bah, maman. Pour distribuer moi petit quelque chose mais naïve qui est là petit quelque chose voilà et au lieu d'avoir mis donc et ça quand ma maman voilà la difficulté il faut en penser puis la personnel il y a hôpital bah, infirmier bah, sage-femme bureau bah, médecin donc je vois que ils ont besoin Bazan a besoin il y a Makambo il y a Biloko et Bélé donc objectif Nango c'est que Tokoko Sunga Bangouti Nasuka et puis Ndenazo Yaboye et puis ça peut pour ça et puis ça peut ma casse na bato belé au ba vanda ba kanisa ke ah nga pe un jour na ça quelque chose pour na mboka na pour na bana ya mboka pour na batu nyoso a telema l'air au mona ba émission yo oyo ba tout pe ba telema ba ko sunga pe soto za belé un pour tous et tous pour un donc ça ma kambe belé pe to ko ma musika population et vos belé ma kambe belé pe au changer donc voilà après attends les moi, Ngani Nazabou est vraiment. Je suis un peu plus de temps. Nazoya Penda Nangolo Nzambe et pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour participer à quelconque parti politique que je ne connais pas, que ce n'est pas dans ma tête. Je veux me présenter à rien du tout. Je veux juste me présenter devant ces enfants qui ont besoin de moi, devant ces familles, ces femmes, ces personnels qui ont besoin de moi, qui ont besoin d'un soutien,
qui ont besoin d'une prière, qui ont besoin d'un petit quelque chose pour pouvoir les faire avancer et aller au bout. Voilà. Vous expliquez bien Raïs Ouïgou Maxani. Raïs, inspiration et outil paille à Bahana Raï. R et à Rodley. A et à Alan. E et à Elia Rose. Et S et à Sacha. Na Mama Bana. Donc inspiration et outil déjà et pas Bahana Raï. Donc, nous sommes tous comme on a besoin de souffrir dans le côté. Et puis, il y a un monde qui est là, 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 qui est vie qui est là, qui est là, qui et puis, nous avons un peu de sensibilité. Donc, nous avons un peu de temps, merci. Nous avons un geste, nous avons quelque chose. Merci, Sili, mais voilà. Nous avons un peu de temps. Et nous avons un peu de temps. 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 Voilà.